Allah Mariama, Mariama, Maria, Mariama. Stéphane Journeau est un réalisateur français qui est à Dakar pour réaliser justement un film autour de la vie et l'œuvre de Sungulu Sissoko, une histoire africaine, un artiste exceptionnel. Sungulu Sissoko, non seulement pour moi, mais pour tous les Sénégalais, tous les Africains, évoque le personnage le plus central de la Kora. Quand on parle de la civilisation négro-africaine, c'est de ça qu'il s'agit. Qui était l'apôtre de la civilisation négro-africaine à partir d'un instrument magique de 21 cordes, qui est la kora. C'est Sungulu Sissoko. C'est-à-dire qu'on peut loger au panthéon de la négritude autant Aimé Césaire, Léon Contral, Damas, Jacques Rabé Mananjar, Léopold Sédar, Aline Diop et Sungulu Sissoko, ou Amadou Ampateba, n'est-ce pas? Voilà, c'est des contemporains qui aujourd'hui, au moment où notre jeunesse perd des repères, nous devons retourner vers eux, nous abreuver pour aller dans la mondialisation qui partira des terroirs. Pour lui, il était trop grand pour la politique. Il était au-dessus de la politique. Il ne parlait jamais politique. Ce qui est positif, il le disait. Le théâtre est en train de vivre hein, sur cet héritage de Sungulu, parce que aussi ses fils, ses petits-fils sont là. Comme je l'ai dit, votre papa, moi, je l'ai connu. C'était un grand homme, un grand musicien, un grand compositeur, un artiste vraiment chevronné et international. Parce que Sungulu est connu de tout le monde. Moi, je l'ai connu jeune. Il m'avait marqué. Donc, mais c'est ce même attachement que j'ai envers lui jusqu'à sa mort. Et après sa mort, on a continué à consommer ce qu'il nous avait laissé. Et c'est ça, c'est ce qui fait cette force motrice, créatrice, qui résiste à la furie du temps. Si la jeunesse n'est que temps et que la vieillesse demeure, sûrement notre dernier demeure, la mort se met en valeur. Naviguant tout en sûreté, sur terre, si tout le monde est mort à cause d'une certaine renaissance qui est...